page officielle Facebook des Pères de la Société des Missions Africaines de la province du Togo. D'abord, moi, c'est le Père Odilon Kofi Maoli Ameniaglo de la Société des Missions Africaines du Togo, secrétaire provincial. Je viens à travers cette petite vidéo souhaiter à tous Akwaba, c'est-à-dire la bienvenue sur notre page officielle Facebook appelée Province SMA Togo. Et aussi vous parler un tout petit peu des pères de la Société des Missions Africaines du Togo, vous faire un peu une petite histoire de ce que nous sommes. Alors tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à commenter, à liker et à partager toutes nos publications. C'est une façon à vous aussi de participer à l'œuvre de l'évangélisation des pères SMA du Togo. Alors, à tout de suite. Revenons sur la question des pères SMA. Qui sont-ils? C'est quoi la SMA? Cette question me rappelle tout de suite le tournage d'un micro-trottoir en vue d'une émission dénommée « La vie fait le moine » en Côte d'Ivoire, où on va à la découverte de tous ces instituts missionnaires, ces congrégations ou sociétés missionnaires qui ont impacté la vie de l'Église en Afrique, particulièrement l'Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire précisément. Et on interrogeait les gens sur leur connaissance de la SMA. Et c'est ainsi que dans la foulée, un enfant de 12 ans répondait ceci. SMA veut dire Saint-Michel d'Adjamé. S pour Saint, M pour Michel et A pour Adjamé. Ça fait un peu rire, mais nous le comprenons puisqu'il vient d'une paroisse appelée Saint-Michel d'Adjamé. Mais cette petite histoire pour nous dire comment la SMA est restée méconnue depuis un bon moment et pourtant les pères SMA font partie de ces premiers missionnaires qui ont apporté l'évangile sur toute la côte occidentale. Alors, c'est le lieu ici de redécouvrir l'histoire des pères de la Société des Missions Africaines en Afrique et particulièrement au Togo. La Société des Missions Africaines, appelée la SMA, est une société ou congrégation de missionnaires catholiques fondée par Mgr Melchior de Marion Brésillac le 8 décembre 1856 à Notre-Dame de Fourvière en France et qui a pour but principal l'évangélisation des pays d'Afrique ou les peuples d'origine africaine qui ont le plus besoin de missionnaires. Alors, option préférentielle les plus abandonnées de l'Afrique. Merci. Et pour l'histoire du Togo, les premiers missionnaires SMA arrivèrent pour une première tentative en décembre 1885 pour une expérience qui ne durera que 2 ans. C'est ainsi qu'ils vont revenir en 1918, après le départ des missionnaires allemands de la Société du Verbe Divin, et ils vont rester jusqu'à ce jour. Ils ont travaillé ardemment pour l'évangélisation du Togo, pour la naissance et l'édification de l'Église du Togo. Aujourd'hui, avec une dizaine de communautés, la SMA est présente dans 3 diocèses du Togo, l'archidiocèse de Lomé, le diocèse de Kara et le diocèse de Sokoto. Alors, voilà brièvement présenté la Société des Missions Africaines au Togo et nous comptons sur vous tous pour faire avancer à l'image de nos pères dans la foi le règne de Dieu, ce règne d'amour, de justice et de paix dans notre cher pays, le Togo. Et soyez toujours connectés sur notre page officielle Facebook Province SMA Togo pour ne rater aucune de nos publications et actualités missionnaires au Togo et ailleurs. Quelques émissions très inspirantes que vous trouverez sur notre page officielle Facebook sont les suivantes. La première, la parole au quotidien, que vous suivez déjà d'ailleurs, qui est une méditation quotidienne des textes liturgiques de l'Église. La deuxième est intitulée La SMA hier, aujourd'hui et demain, qui comprend toutes les actualités missionnaires des pères SMA et de leur mission au Togo et ailleurs. Et la troisième, la dernière, est intitulée Le chemin de la foi vivante, qui comprend des séries d'enseignements bibliques et doctrinaux pour l'édification de la foi chrétienne.
Alors, n'hésitez pas à vous connecter à notre chaîne, à vous connecter à notre page pour une prochaine émission. Merci pour votre fidélité d'écoute et à très bientôt pour de nouvelles émissions avec les pères de la Société des Missions Africaines. Soyez toujours connectés.